Vous êtes avec moi? Vous êtes tous avec moi? Parce que si vous êtes avec moi, on va changer le monde. Ce qu'on va évoquer ici, ça correspond un petit peu à la fête de Pourim, mais il y a un message. Le message, c'est quoi? C'est que Esther va se retrouver face à Aman. Or, on l'avait évoqué, on a dit Aman est appelé le serpent. Esther, le serpent, ça vous rappelle rien? La création du monde. Chava, en réalité, Ève, a fait une faute terrible puisqu'elle a pris du serpent le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'a donné à manger à Adam. Les textes nous disent qu'elle a quasiment forcé à le manger. En réalité, la première personne qui a véritablement fauté en acceptant ce fruit, c'est Chava, la femme. Et cette femme a, si on peut dire comme ça, entre guillemets, un compte à régler avec le serpent. Ce compte, elle va le régler au fur et à mesure des générations, ça va se poser plusieurs fois, et vous allez voir qu'à chaque fois, elle va sortir victorieuse, mais au péril de sa vie. Elle doit réparer ça avec un messie ou des fêches. Elle doit être prête à donner sa vie. Dans la Megillah, on voit qu'Esther va se retrouver au palais d'Achashverosh, qui n'est pas spécialement un grand sadique. Elle va lutter contre cet homme-là et surtout contre Aman. Or, Aman est appelé le serpent. On l'avait évoqué déjà. Il vient d'Amalek. Sepha, en hébreu, la vipère, si je ne me trompe pas, une valeur numérique identique à celle d'Amalek. C'est le titre que l'on donne à Aman. Aman est le serpent. Esther, c'est la femme absolue, c'est cette femme qui va sauver le peuple juif et elle va s'affronter là-bas avec ce serpent. Mordechai ne peut pas vraiment intervenir, ne va pas véritablement intervenir pour une raison très simple, elle a ce compte à régler. Vous voyez que cette histoire se reproduit à l'infini. On la retrouve également chez Sarah, la femme d'Avram. Elle va être prise au palais de Avimelech, mais aussi au palais de Paro. Or, Paro est appelé par les textes Atanin, le serpent, le grand serpent, la grande Égypte, comme il l'appelle lui-même. Alors ce serpent-là, eh bien, il va s'affronter, cette femme-là va s'affronter avec lui. Cette femme, c'est Sarah. Or, là aussi, Avram est en retrait. Avram n'est pas admis là-bas. Il se fait passer pour son frère. Il ne sait pas vraiment ce qui se passe à l'intérieur des murs. Il va y avoir un danger et Sarah va sortir victorieuse. Toutes ces situations-là où la femme va se retrouver face au serpent, eh bien, c'est un message. La femme a une place essentielle dans la Torah. La femme est celle qui croit à la Géoula encore plus que l'homme. On dit les femmes sont sorties d'Égypte avec des tambourins. Pourquoi? Et Moshe va venir, le libérateur va venir. On prépare déjà les tambourins pour la fête. La place de la femme dans le peuple juif est essentielle. Pourquoi? C'est elle qui va soutenir son mari. C'est elle qui va réparer cette faute. C'est elle qui va le renforcer dans la Torah, en l'encontre de ce qui s'est passé au moment de la création du monde. C'est elle qui va croire dans la délivrance, qui va encourager celle-ci, qui va prier pour elle et qui va pousser son fils, son mari, les hommes autour d'elle, pour réparer justement cette faute-là et qui va entraîner cette Géoula. Tout ce message-là, bien au-delà bien sûr de la Megillat Esther ou de la Torah, on voit l'histoire de Sarah, eh bien c'est le message pour notre génération, pour toutes les femmes aujourd'hui qui ont un message ici qui leur est transmis, et qui vont prendre sur elles peut-être de rajouter quelque chose dans la pudeur, dans la pureté familiale, dans une mitzvah, dans une tfila, et surtout d'aider leur mari, d'aider leur fils, les renforcer parce que c'est leur rôle, c'est leur force, elles sont essentielles à ce niveau-là. En réparant cela, elles réparent la faute de Chava, la faute de la première femme, et elles réparent aussi quelque part, par leur mérite, on répare aussi la faute d'Adam Harishon. Et comme ça, bien entendu, si vous réalisez cette chose-là, les femmes en général, mais les hommes aussi, mais surtout les femmes, parce que le message est pour elles ici, eh bien tous ensemble, on va pouvoir changer le monde.